Bonjour tout le monde, c'est Chumière. J'espère que vous allez bien et merci beaucoup de visiter ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait un make-up pour la photo d'identité. Bien entendu, il n'y a pas de raison que ce soit les miens, mais à mon avis, la photo d'identité, on utilise longtemps et on utilise quand on présente CV ou fait le permis officiel. Du coup, je pense que le make-up naturel sera plus beau. Il y a les astuces pour la photo et j'ai la vidéo pour studio de photographie dans la Corée au fin de cette vidéo. Du coup, regardez jusqu'au bout. J'ai déjà appliqué un crème solaire. D'abord, je vais appliquer ce primer de chez L'Oréal Paris. C'est pour être lissé. Il donne la peau propre. Si l'on utilise ce produit, on n'applique par une direction. Et ce fond de teint, Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild. C'est trop bien fixé, du coup après d'appliquer un côté, et j'absorbe le côté tout de suite. Ce produit, quand on prend une photo, il permet de prévenir la réflexion de la lumière sur le visage. Et c'est vrai, quand j'ai pris des photos en maquillant avec ce fond de teint, c'était très bien. Le rendu de la peau était propre. Si l'on utilise le produit de ce type, ça sera bon à la photo. J'ai utilisé cette éponge mouillée. Il y a les rougeurs au niveau du nez. Je vais appliquer ce concealer de chez Too Cool For School. En fait, je ne savais pas bien, mais ce produit est trop bien. Et si l'on utilise ce applicateur mousse, c'est beaucoup mieux. Il absorbe la quantité superflue, du coup on peut appliquer naturellement. Je vais utiliser ce concealer de chez Clio. C'est plus clair que mon teint, du coup j'utilise par un highlighter. On va passer aux sourcils. Après de dessiner la forme, on remplit les vides. Je vais faire des ombres avec ces trois fards à paupières. Premier fard à paupières, appliquez cette couleur beige au creux des yeux. Et je vais utiliser par contour naturel du nez. Et puis, je vais appliquer ces couleurs d'abricot plus foncées et calmes dans l'avant et le bout des yeux. Suivant les regards, on dessine le trait en utilisant ce eyeliner brun, pas foncé. On estompe la ligne avec ce fard brun. Et juste le bout des yeux, juste wing, on dessine le wing avec ce pen eyeliner. C'est pour faire les yeux précis. Si l'on n'a plus comme ça, il peut donner l'impression naturelle et nette en même temps.
Ensuite, parce que je veux faire l'apparence aimable des yeux, je remplis ces zones triangulaires avec ce eyeliner Marsalado. Et encore une fois, je fais ce fard pour estomper légèrement la démarcation. Après de courber mes cils légèrement, je coule les faux cils. Et je coupe par la moitié parce que c'est plus naturel. Pendant que je suis en le cool, je fais contouring. Je fais les nez encore une fois en utilisant ces couleurs un petit peu foncées qu'avant. Et la photo est deux dimensions, du coup le visage semble étendu, comme vous savez. Donc je fais contouring du mâchoire. En fait, quand on prend la photo dans le studio, les lumières sont trop claires, du coup c'est pas mal même si vous faites contouring beaucoup foncé. Et après de sécher le col, on recouvre les cils et encore une fois. Et on fait le mascara. C'est en fait le mascara fixeur, mais même si l'on n'utilise pas juste le mascara, c'est naturel et bien fixé. Et à mon avis, dans ces make-up, si les lèvres sont trop foncées ou trop rouges, si les lèvres se détachent, du coup, j'ai utilisé ce lip tint corail. C'est trop belle! J'ai estampé le bord de la lèvre avec un coton-tige. C'est fini! Je pense que ce make-up est vraiment simple et c'est trop bien au quotidien. J'espère que ce make-up vous a plu. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications aussi. Alors, on va prendre la photo. On y va!